signal et merde mon cœur sur tout sans fait. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 7 janvier 2023. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sacs de la politique policière en top. Ouais, salut à tous. Bah, cette semaine, la partie artistique sera consacré à Jean Dubuffet. Nous sommes allés à la Fondation Dubuffet dans le 6e arrondissement voir une exposition qui s'appelle Marionnettes de la ville. Oui, une exposition, c'est un petit, c'est vraiment magique parce que c'est un lieu, ça doit être un ancien hôtel particulier au fond d'une courette, c'est vraiment magique. Voilà, vous pouvez bien sûr toujours nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Je suis un politicien, j'aime bien mes concitoyens. On peut leur piquer leur fric, c'est qu'on on les spécialise. Non, je n'ai pas d'état d'âme pour bien vivre ma petite dame. Oui, j'emmerde la République, je suis là que pour le fric. Et quand vient les élections, serre la main à ces gros cons. Je leur promets n'importe quoi. Qui vote pour moi. Et si un jour les fachos prennent le pouvoir au cogo, parce qu'on aura trop piqué dans la caisse des prolos, je retournerai ma veste, je ne demanderai pas mon reste, je me ferai collabo, on se comprend entre salauds. Et quand vient les élections, serre la main à ces gros cons. Je leur promets n'importe quoi. Et quand vient les élections, je serre la main.
à ces gros cons. Je leur promets n'importe quoi, du moment qu'ils votent pour moi. Je leur promets n'importe quoi, du moment qu'ils votent pour moi. Non, je n'ai pas d'état d'âme, faut bien vivre ma petite dame. Oui, j'emmerde la République, je suis là que pour le fric. Oui, j'emmerde la République, je suis là que pour le fric. Je suis là que pour le fric. C'était le politicien, les sales majestés. Ils ont osé. L'élection de Meir Habib, député apparenté LR de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Italie, Vatican, Israël, Grèce, Malte, Chypre, Turquie, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Ben ça alors, j'en reste sur le fondement. Encore un coup tordu des antisionistes et apparentés qui se terrent dans les placards des institutions françaises, au moins. Mais enfin quoi, regardez cet invalidé Poupin, a-t-il le minois d'un sournois qui aurait trafiqué quoi que ce soit? Non, mille fois non, de pas vieux. Je suis cabale. Mais il y a une justice quasi immanente sur cette terre de misère. Un ami, un vrai, Bibi, lui sauve la mise à ce pauvre Habib en lui refilant un titre d'ambassadeur d'Israël en France, France Aouez. Ouf! Faut dire que ce Bibi dirige un État à qui la démocratie n'a rien d'étranger. Tout le contraire. Encensé dans le monde entier pour la libre circulation des hommes et des idées sur son sol, qu'on soit de gauche, de droite, chrétien, juif ou arabe ou d'ailleurs, il n'y a rien contre. Et une armée, une police, une justice que le monde entier, Minus, le monde entier admire, que même on vient de partout pour s'instruire sur leur façon de gérer un tel exemple pour l'humanité. Alors, pensez pour ce malheureux recalé de la députation de la 8e circonscription des Français de l'étranger, quelle fierté de se retrouver ambassadeur d'Israël en France, France Aouez, qui va ainsi continuer à œuvrer pour la paix entre les peuples. Il faut une grande âme pour porter ce lourd fardeau sur les épaules. Et celle de ce citoyen exemplaire est vaste, comme les plaines de l'Ouest américain que parcourt à petits pas comptés la Nationale 66. Et entre nous, c'est autre chose que notre Nationale 6. Mais quoi? Notre nouveau diplomate israélien devra réfréner ses envies de grand large en fredonnant l'immortelle chanson de Charles Trenet, National 7, de la pure poésie automobile, loin des Kings of the Road, à notre cartographie routière hexagonale. Mais hier semble content. Alors tout est mieux, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Nous lui souhaitons que du bien, surtout après une telle gamelle électorale. Faut être sacrément fortiche pour s'en relever. Surtout lorsqu'on se trouve, par la force des choses, et surtout d'une nourriture trop riche, en surpoids, comme on le dit aujourd'hui. Mieux que patapouf, de mon enfance, surtout s'il était précédé de gros patapouf. Les enfants ne sont pas des exemples. Autant ils sont sensibles aux carambars et autres roux-doudous et gommes à mâcher, il ne reste plus de place pour la compassion. Dans le monde politique où tout roule sans grincer, sauf la bombe Autain, député LFI, qui a salué le départ de son collègue de l'Assemblée par un Mazel Tov, qui a heurté la sensibilité révélée par l'emploi de ce terme hébreu, pourtant bien sympathique, qui d'un coup de pied de l'âne a pris des airs de provocation antisémite et enflammé les esprits. Elle a rétropédalé depuis, comme seuls les vrais politiques savent pratiquer cette technique phénocipédique.
Allez, monsieur le futur ambassadeur de cette merveilleuse démocratie israélienne qui inspire notre vieux pays républicain avec tant de grâce, bon vent. Et aux Palestiniens, adieu les bombardements sur Gaza, les camps de réfugiés, les enfants morts ou estropiés à vocation d'orphelins de guerre et autres calembres d'aide mortifères perpétrés par les employeurs de notre fier ambassadeur, dont la devise pourra être « Qui aime bien, châtie bien ». Bon vent ne voulant dire que bon vent, sans intention cachée, malveillante. Il y a des mots qui ne veulent dire rien d'autre que ce que ces mots disent. Mazel tov. Ouais, et comme tu le disais justement, il a pris sa révocation quand il était en compagnie de Netanyahou, qui est venu en France, accueilli par Emmanuel Macron. Voilà, il y a juste une quinzaine de militants pro-palestiniens qui se sont rendus, je crois, sur les Invalides pour montrer leur offuscation devant une telle provocation. Effectivement, recevoir dans le camaraderie. Voilà, Jean-Guy, qui est de toutes les manifestations, recevoir Benjamin Netanyahou aujourd'hui est quand même une vraie provocation, avec un gouvernement suprémaciste, raciste et religieux. Donc bon, Emmanuel Macron, ça ne le perturbe pas. Quand on voit l'affiche de Meyer Habib sur Wikipédia, sur les polémiques, on voit qu'il y a quand même pas mal, il accumule quand même pas mal de problèmes. Quand on voit sa position par rapport à Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, les Palestiniens n'ont rien à voir et il est hors de question de faire deux États. Ça, c'était clairement affiché. Et là, récemment, donc, il vient d'être en novembre 2022, il y a une enquête pour détournement de fonds publics qui le vise et qui est confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Et s'il a été révoqué si le Conseil constitutionnel a annulé son élection, c'est qu'on lui reproche des publications qui appelaient à voter pour lui le jour même de l'élection, dont une permanence téléphonique où les opérateurs pouvaient voter à la place des électeurs. Donc là, on est quand même dans quelque chose de lourd. Même si moi, je refuse d'attaquer le physique par principe, on n'a pas besoin d'attaquer son physique, mais Meyer Habib est quand même, il y en a jusqu'au cou des affaires. Quoi. Ouais. Et il faut rappeler que quand des petites nanas comme Manon Aubry, Clémentine Autain avaient dansé, ils avaient traité de petites connes. Quand même incroyable. Quoi. Non, mais tout leur est permis, de toute façon, à ce genre-là. Par contre, eux, ils s'offusquent tout de suite de la moindre vétille qu'on peut leur reprocher. Et ouais. Là, ce n'est pas des vétilles, parce que le constitutionnel, il n'annule pas une élection comme ça pour passer le temps. Voilà, complètement. Alors voilà, moi, mon presse-papier, j'avais presque envie de l'appeler plutôt bonne nouvelle, voilà, pour changer un petit peu des choses qui nous fâchent en permanence. Donc, sur le site de Reporter, plus écolo que le recyclage, la consigne en verre qui prépare son retour. On pourrait dire, c'est pas trop tôt, ça fait quand même des années qu'on se dit qu'il serait plus intéressant, comme quand on était enfant, nous, de rapporter nos bouteilles en verre que de les mettre dans ces containers où le verre doit être probablement nettoyé, lavé, brûlé, qui ont un coût, le recyclage, faut jamais l'oublier, a un coût énorme. Donc, recycler, c'est pas du tout l'avenir. L'avenir, c'est de consommer vraiment le moins possible et que donc la consigne des bouteilles en verre, ce serait quand même vers ce vers quoi il faut aller. Donc il y a maintenant une dizaine d'opérateurs qui ont uni leurs forces pour pousser vers ce changement d'échelle. Il existe déjà des endroits où il y a des consignes. En 2022, il y avait 1,4 million de bouteilles qui étaient réemployées. Il y avait 10 opérateurs, ce qui représente environ 700 tonnes, alors qu'on a 2 millions de tonnes de verre recyclées. Donc là, il y a France Consigne qui vient de se créer, qui vise à avoir une consigne beaucoup plus massive. Donc ça, je crois que c'est parti de la Drôme. Donc ça, c'est quand même une solution d'avenir. Espérons que ça continue d'avancer. Quoi. Espérons surtout qu'on supprime les bouteilles en plastique. Voilà, et puis ça, il faut aussi arrêter le plastique. On a vu maintenant qu'on retrouvait du plastique partout. Donc, Et j'ai vu un doc sur les étranges lucarnes, là, qui expliquait et qui montrait photo à la pluie, l'histoire des lingettes qu'on emploie, qu'on suremploie, etc., qu'on jette même dans les toilettes, etc., et on voyait dans les stations d'épuration, mais c'est des quantités phénoménales de lingettes qu'on doit virer
parce que c'est accroché à tous les systèmes qui recyclent l'eau, etc. C'est quelque chose d'aberrant. Non, mais la lingette en soi est une aberration. C'est-à-dire que ouais. Ça peut être quelque chose qui dépanne ponctuellement, mais ça ne doit devenir en aucun cas quelque chose qu'on utilise au quotidien régulièrement pour remplacer un gant, du savon. Maintenant, dans les optiques zéro déchet, il y a énormément de petits carrés de coton avec une face éponge qui sont vendus, qu'on peut fabriquer soi-même, qui sont réutilisables, lavables, qu'on peut porter sur soi. Enfin, on peut vraiment trouver 10 000 solutions et éviter les lingettes les trois quarts du temps. Quoi. Oui, ou alors, quand on les jette dans la poubelle, mais pas dans les toilettes. Mais l'idéal, ce serait effectivement de pratiquement pas les utiliser. Quoi. On peut souvent s'en passer. Hein. La lingette est arrivée sur le marché, ça a été une révolution. Alors, lingette pour faire le ménage, lingette pour se nettoyer, lingette pour avoir une toilette intime. Enfin voilà, la lingette est démultipliée. Pour les fesses des bébés. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Alors, dans les bonnes nouvelles, donc, sur le site de Politis, la Cour d'appel de Nancy a prononcé des peines légères pour les militants antinucléaires qui étaient poursuivis depuis 2018 pour le site de Bure. Donc, il y a eu 4 personnes ont été relaxées et les 3 autres sont condamnées à 4 mois de prison avec sursis pour des faits de participation sans armes à un attroupement après sommation de se disperser. C'était des manifestations qui dataient d'août 2017 et le chef d'accusation d'association de malfaiteurs n'a pas été retenu. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un acharnement policier et judiciaire sur ces militants opposés à CIGEO, mais en tout cas, la justice a permis quand même qu'il n'y ait pas d'amende et d'emprisonnement. Ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle, parce qu'il y avait vraiment, on sentait que c'était vraiment important à ce moment-là. Ils étaient maltraités. Enfin, on se rappelle Cécile, qui était à la radio avec nous, avait fait partie de tous ces militants sur le site de CIGEO, quoi. Et donc, une autre bonne nouvelle à Marseille, c'est la CGT Énergie de Marseille va rendre gratuite une partie du gaz et de l'électricité consommée par des boulangers qui sont confrontés à des impayés. C'est une action illégale mais morale, juge le secrétaire général Énergie de Marseille. On sait que les boulangers ont été acculés par les factures d'énergie, certains ont déjà mis la clé sous la porte à cause de cette flambée des coûts. Mais là, effectivement, il pourrait y avoir cette bonne surprise que leur facture, que leur électricité ne soit pas coupée, alors qu'ils n'ont pas pu payer leur facture. Donc voilà, c'est une simple manipulation sur le compteur. C'est vrai que c'est illégal, mais moi j'aime ces actions justement qui restent illégales, mais complètement légitimes. Et l'idée de cette action de réduction est venue aux employés d'Enedis quand leur employeur demandait justement à ses agents de couper le robinet énergétique à des clients pour facture impayée. Et depuis plusieurs semaines, ils recevaient 4 à 5 demandes par jour, et pas que des boulangers. Il y a nombreux artisans, des bouchers, des snacks. Et alors, on dit qu'aujourd'hui, on parle des boulangers parce que ça a été un petit peu médiatisé, toutes ces factures énergétiques pour les boulangers, mais qu'il y a plusieurs professions qui sont touchées. Et il y a même des particuliers qui vont en profiter. Ils ont même remis de l'électricité, je crois, dans des cités. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et je me dis, c'est ça vraiment qu'il faut faire. Eux, par contre, effectivement, risquent d'être mis à la porte, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Parce que la machine, je veux dire, comment dirais-je, broie tous ces gens un peu idéalistes. Voilà. Alors, ils disent qu'ils avaient fait, ils avaient déjà au mois de décembre rendu le gaz gratuit pour 5000 foyers d'une cité. Et selon le syndicaliste, il pense que c'est un peu tôt en fait pour faire encore un bilan et du nombre de boulangers qui seront bénéficiaires. Mais ce qu'il précise, c'est que l'argent qui est cette surfacturation, en fait, elle ne va pas dans les salaires, elle va pas dans les investissements d'EDF, mais elle profite vraiment aux spéculateurs, quoi. Et que pour l'instant, la loi protège encore jusqu'en mars les particuliers. Apparemment, la trêve hivernale empêche les foyers d'avoir l'électricité coupée. Ça existe encore, là. Voilà, c'est ce que cet article précise, quoi.
froid des chiffres tombe et l'écrou se resserre. C'est l'opaque des temps, c'est la nouvelle nuit. Sur tous les écrans borgnes, la même aveugle image. Même battement sourd dans tous les écouteurs. De l'arbre en moi résiste et du cheval se cabre. Dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. Toujours de par le monde, le même bruit qui court. La bêtise bavarde matraque et matricule. On y vend l'apparence, la frime et l'éphémère. La marée laissera quelques coquilles vides. De l'arbre en moi résiste et du cheval se cabre. Dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. C'est une fin de siècle dégueulant sur nos rêves. Le conforme partout décrète et normalise. Adieu le grand désir et la belle folie. Dans la tête des hommes dérive un instrument. De l'arbre en moi résiste et du cheval se cabre. Dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. Et du cheval se cabre. Dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. Résistance, Marc Augerême.